le 7-9 sur France Inter. 8h-3, Charline Vananacar, vous laissez la place à notre invité de 8h20, NKM, qui s'est déclarée candidate à la primaire à droite mardi soir. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Patrick. Oui, d'après les éditorialistes, c'est moi la plus à gauche. Je pense que c'est un atout et comme je ne connais pas tous les codes de la gauche, j'ai engagé un coach, Jean-Michel de la centrale CGT Cheminot. Il est délicieusement proche du peuple. Bonjour Jean-Michel. Bonjour camarade. Ah, on s'était déjà rencontrés. Ah oui, je sais. On a fumé une petite clope ensemble sur un trottoir il y a 2 ans. Non, n'importe quoi. Non, camarade, c'est comme ça qu'on salut à gauche. Ah, ça veut dire qu'on est copains comme cochon, j'adore. Attendez, j'essaye. Camarade. Ah, putain, on dirait Giscard, c'est pas possible. Ah bah non, moi c'est à Vauquier-Sarkozy que j'ai envie de faire la nique. Non, mais déjà on dit pas faire la nique, on dit les niquer, carrément, on y va. C'est ça, niquer. Voilà. Nique Sarko, voilà. Nique Vauquier, j'adore. Ouais, ouais. Nique ta mère. Oh là non, pas maman. Non, pas maman. Bon, alors, on commence le coaching. Est-ce que vous connaissez l'international? Je me rappelle pas. Et si c'est la lutte finale internationale. Mais oui, je connais, voilà. Mais bien sûr. Bon. Nabucco de Verdi, le cœur des esclaves. Je l'ai vu à Bastille en dernier. Bon, bah, c'est pas grave, on avance, sinon on n'y arrivera pas. Bon, alors, imaginons, vous allez à la manif. Oh, j'adore ça, ça me rappelle le surboom. Restez concentrés, parce que sinon, vraiment, on n'y arrivera pas, je vous jure. Bon, vous y allez comment à la manif? Attendez, le métro, c'est beaucoup trop gracieux pour l'occasion. Ouais. En RER. Non, ils sont en grève. Oh, c'est juste, bah, voilà. Qu'est-ce que je peux être cru? Il faut arrêter avec cet accent, là, c'est pas possible. On dirait que vous avez un macaron dans la bouche. Oui, je sais, je devrais me mettre à la merguez. À la quoi? Mais la merguez, cette petite saucisse de gauche qu'on mange dans les manifs. Non, mais la merguez, bon, ça va pas. Bon, il faut changer de fringue aussi, ça oui, va pas je ça. Oui, je sais, je vais m'acheter ce foulard révolutionnaire, là, le même chèche que Patrick. Patrick voulait m'acheter chez Hermès. S'il vous plaît, ne vous dispersez pas, hein, d'accord? Bon, il vous faudrait un béret plutôt. Vous connaissez Che Guevara, Steve Dumontaigne. Non, mais attendez, non, on n'y arrivera pas. Non, mais qui vous a mis dans le crâne que vous étiez la gauche des Républicains? C'est pas possible. Il paraît que des Verts sont prêts à me parrainer pour que l'environnement soit représenté à la primaire. Mais quel Vert? Mon camarade Jean Vince, j'aurais sans placer. Oh là là, mais non, mais il est pas écolo, lui. Ça perd les popettes, j'avais oublié. Non, mais écoutez, moi, je dois niquer Juppé, hein. Mon positionnement à gauche, j'y crois mordicus. Non, bah déjà, moi, c'est Jean-Michel. Mais, hein, alors, vous savez, Jean-Michel, j'ai beaucoup souffert dans mon travail aussi. Ouais, bah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je vous le confirme. Oh. Mon collègue Laurent Wauquiez, il avait pris le plus grand bureau avec la plus grosse agrafeuse. Alors, une grosse agrafeuse. Attendez, parce que là, syndicalement, ça se défend. Hein. Ah non, ça, ah, oui. Alors, ça y est, je suis d'extrême gauche. Oh là là, ça me fait des frissons dans le bas du dos. C'est du calme, bijou. Hein, y a encore du boulot. Oh. Hein, t'excite pas. Mais okay. Qu'est-ce que vous êtes rustre? Mais j'aime ça. Je vous trouve séduisant. Ben voilà, là, on progresse. Charline Vananacker avec Jean-Michel, avec Guillaume Meurice, à retrouver en vidéo dans quelques minutes, je pense, sur franceinter.fr.